Piu-piu, bienvenue dans Quoi de Neuf Rappelez-vous la dernière fois, la poule avait pondu son œuf. Et maintenant, elle le couvre. Nous allons voir de plus près ce qui se passe dans cet œuf. Le poussin a besoin d'une température d'environ 38 degrés pour grandir. Lorsque la poule est assise sur son œuf, elle lui donne cette chaleur. Voici maintenant en image le développement du poussin durant les 21 jours de couvaison. Jour 1. Le germe ou disque germinatif commence à se développer. Jour 3. Les vaisseaux sanguins et le cœur se forment. À partir du jaune, ils apportent les nutriments nécessaires aux futurs poussins. Jour 5. Les yeux, les pattes et les ailes poursuivent leur développement. Jour 7. Tous les organes vitaux sont complètement développés. Les vaisseaux sanguins sont regroupés en un cordon qui relie le jaune à l'orifice ombilical du poussin. Cela peut être comparé au cordon ombilical des mammifères placentaires. Jour 9, tous les organes du poussin poursuivent leur croissance. Jour 11, les plumes et le bec commencent à se former. Jour 18, le poussin dispose d'une réserve de jaune pour trois jours. Jour 21. Le poussin est prêt à sortir. Il martèle la coquille durant plusieurs heures pour percer un premier trou. Grâce au diamant, son bec ne se casse pas. Le poussin continue à percer sa coquille pour en découper le couvercle. Il pousse ensuite sur ses pattes pour s'extraire de l'œuf. La prochaine fois, nous vous expliquerons comment couver des œufs si on n'a pas de poule. Et mettez des habits confortables, car Professeur Cocotte vous proposera une séance d'OFF YOGA. À bientôt!